Tout a commencé en 2014 lorsque j'effectuais un stage en Chine dans le nucléaire civil. Quelques jours avant la présentation de mes résultats de recherche, mon ordinateur portable est tombé en panne. Donc la présentation a été très compliquée à réaliser. Lors de mon retour en France, j'ai eu cette idée d'un ordinateur portable modulaire. Donc un ordinateur portable qu'on pourrait très facilement réparer, très facilement faire évoluer, sans outils spécifiques, sans besoin d'être un expert. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à rassembler une super équipe et on a développé ce projet. Maintenant on est en 2021, le projet a énormément évolué, nous sommes en fin de prototypage pour cet ordinateur portable modulaire et un des modules est totalement prêt, le clavier. Ce clavier, il peut être utilisé dans la base de l'ordinateur portable, bien évidemment, on peut l'enlever et le mettre très facilement, mais il peut être aussi utilisé sur un ordinateur portable classique ou un ordinateur fixe classique puisqu'il possède simplement un port USB. Car oui, le clavier est un module de l'ordinateur portable modulaire. On peut facilement le changer si une touche est en panne par exemple, ou simplement si on désire avoir un clavier personnalisé. Un clavier de type Beppo, un clavier avec d'autres agencements de touches. Si vous souhaitez soutenir notre projet ou simplement le projet d'ordinateur portable modulaire, vous pouvez acheter le Kern Mesaki. Les ordinateurs portables et l'électronique sont des outils très utiles, mais dont la fabrication est par essence très polluante et ils sont très difficiles à recycler. C'est pourquoi notre but avec l'ordinateur portable modulaire, c'est de permettre le remplacement ou l'évolutivité de composants spécifiques de façon très simple, en changeant par exemple uniquement un bloc SSD ou un bloc ventilateur, ce qui permet de ne pas remplacer l'ordinateur portable au complet. Le Kern Mesaki, en tant que module de l'ordinateur portable modulaire, suit la même logique. Sa conception en sandwich le rend très facilement démontable, que ce soit pour la réparation ou pour l'entretien. L'utilisation de switch mécanique permet également d'allonger sa durée de vie par rapport à l'utilisation d'autres technologies. A l'exception de la carte électronique, nous n'utilisons pour le clavier que des matériaux qui sont recyclables. Acier inoxydable, aluminium, PLA ou encore polycarbonate. De plus, pour la production des pièces en PLA et en polycarbonate, nous utilisons l'impression 3D, ce qui nous permet d'utiliser juste ce qu'il faut de plastique et d'avoir une consommation d'énergie au final assez peu élevée.